Donc moi je m'appelle Yann et donc je suis éducateur sportif et je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez très certainement jamais vu. Ça s'appelle l'Urno, c'est le nom du produit. Il faut aller voir un peu les plots et voir ce qu'il y avait sur les plots. Effectivement, sous ces plots il y a des balises. Ce sont des objets électroniques qui vont vous servir à faire des missions. Elles sont mises dans les trois boîtes que vous voyez là, les trois boîtes blanches. Il y a des cartes. Et du coup, vous allez prendre une carte et vous allez essayer de faire la carte. Une fois que vous avez terminé, vous venez à l'ordinateur, vous bipez une dernière fois sur l'ordinateur. Et là, l'ordinateur, il va vous dire si vous avez bon ou si vous avez pas bon. Tout simplement. Et du coup, un écran rouge, d'après vous, c'est bon, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Un écran vert. Ah. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous allez tous vous saisir d'une puce. Une fois que vous avez fait une puce, vous allez mettre au bout de la doigt, peu importe lequel. Vous allez prendre une carte, d'accord? Et pour commencer le jeu, à chaque fois que vous allez aller sur les parcs de balises qui se trouvent dans votre dos, vous devez toujours biper la balise effacée. Alors, le six. Premier, c'était quoi? Six. Il était où le 6? C'est là, non. Ou quoi? Bravo, Philippe. Vous avez réussi combien de missions alors? Moi 3, je crois 4e et 5e. Une seule. Vous devez avoir l'arme qui touche le tapis pour pouvoir l'armer. D'accord ? Et comment on l'arme ? Vous avez un dispositif là, vous avez juste à le monter, vous le lâchez, ça y est, c'est armé. Charge. Et là, je vais monter mon bras. Il va falloir que ces deux barres fassent un trait avec la barre qui est au bout. Donc, si je l'incline comme ça, elles ne vont pas être sur le même plan. Plus je vais l'incliner, plus je vais l'incliner, plus je vais l'incliner, au bout d'un moment, les deux barres vont être confondues avec cette barre-là et ça va me faire qu'une seule ligne.